the longest shadows ever cast. The water's warm and children swim, and we frolicked about in our summer skin.
Bonjour, voici une autre capsule, comme je disais dernièrement, on y prend goût et la demande est très forte. On est ici justement encore une fois pour la cabale Overlord. Nous sommes à Kino Beach, c'était la journée pour nos Canadiens. Cette capsule est particulièrement dédiée à toi, Ghislain Nolette, que j'aime beaucoup, un de mes meilleurs amis et que le castor du 22e tatoué sur le cœur. C'est pour toi, Tina, cette journée-là. En quelques chiffres simplement, on parle justement là, de. En ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, il y a près de 45 000 hommes canadiens qui ont été investis dans cette guerre-là. Non, excusez-moi, 45 000 hommes tués dans cette guerre-là. Aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est. On a aussi, au tout début, justement, quand Mackenzie King, notre premier ministre à l'époque, l'armée canadienne était constituée de tout simplement de 8 000 hommes, ce qui est très, très, très peu. C'est la moitié du centre Bell, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Je vous dirais aujourd'hui, c'était une journée très, très, très émouvante, mais particulièrement choquante. Choquante dans le sens que c'est fascinant de voir comment est-ce que le Canada n'était pas capable de se positionner dans ce conflit-là. Faut pas oublier que Mackenzie King travaillait pour le Rockefeller Foundation. Je vous laisse vous-même faire vos recherches pour ce qui concerne monsieur, la famille Rockefeller, ça parle beaucoup. Et ce qui me surprend énormément, c'est justement le manque de positionnement politique en appui à nos hommes. Quand je dis choqué, c'est justement un peu à cause de tout ça, c'est que ces êtres-là sont venus tout simplement avec la grandeur de l'âme et leur courage. Vraiment, aucun appui derrière. Et c'est particulièrement fascinant car le musée ici, il est très très joli, il est très bien fait, mais il n'y a pratiquement aucun sou investi par le Canada. Il faut pratiquement qu'il quémande pour le faire vivre. Quand on voit toutes nos politiques récentes de M. Harper, justement, qui a investi énormément de millions pour changer tous les cadres dans nos institutions pour mettre l'emblème de la reine, et c'est complètement aberrant. J'ai pas de mots. Comme je vous dis, je suis énormément choqué. Ça me frustre même. On voit beaucoup à la télévision souvent les gros shows de boucan le 1er juillet, des habits d'apparat, tout ça, hommage à nos hommes et tout. Et comme je vous dis, il n'y a pratiquement aucun sou ici. Ce musée-là, il survit des dons donnés par les anciens combattants. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, pour moi, comme je disais justement au cimetière américain, le fait de comprendre les choses nous amène à avoir une autre perspective. Et dès aujourd'hui, j'ai une autre perspective de mon super beau pays. Tout s'explique, par contre. Dans le sens que, justement, il n'y a pas de bonne raison de ne pas investir un minimum, justement, pour rendre hommage à ces hommes-là. C'est particulièrement fascinant aussi de voir une phrase que M. Mackenzie a dit avant le conflit. Il vaut mieux que le nazisme l'emporte que le communisme. Donc, Mackenzie, au tout début de la guerre, justement, il avait difficulté à se positionner car justement, il favorisait plus le parti nazi que le parti communiste ou peu importe les autres partis. C'est aussi vraiment intéressant de voir la prise de position latente du Canada dans le conflit. Parce que le Canada n'était pas autonome, avait de la difficulté vraiment à prendre ses propres décisions. Et il y avait la conscription qui est arrivée, justement. Et les Canadiens français ne voulaient pas partir nécessairement en guerre, voulaient être autonomes. Et le Canada anglais, lui, voulait toujours être sous la servitude de la reine. Donc on voit là, que c'était. On voit les premiers balbutiements, justement, d'un déchirement entre ces deux peuples-là. C'est fascinant aussi de voir les femmes canadiennes, comment est-ce qu'ils ont. Ils se sont démarqués dans ce conflit-là. Les femmes canadiennes ont forcé le changement de la loi, de l'article 24 au Canada, pour ajouter le mot « femme » dans la définition de ce qui était une personne chez nous. Donc, ça fait pas très longtemps que les femmes sont considérées plus qu'un animal chez nous, ce qui est aussi fascinant en soi, ce qui est même extrêmement aberrant. Et il faut pas oublier aussi qu'au Canada, j'ai appris ça aujourd'hui, on n'acceptait pas l'immigration noire depuis 1950. C'est quand même intéressant parce qu'on nous dit un pays très, très, très libre et vive l'immigration et tout.
Et c'est complètement faux jusqu'à tout récemment. Et ce qui m'a aussi énormément surpris, et je rends hommage à tous mes amis amérindiens, il y a beaucoup, beaucoup d'Amérindiens qui eux-mêmes se sont enrôlés dans la guerre pour venir donner leur service et leur courage justement pour libérer la planète de M. le Führer, encore une fois. Et vraiment, je lève un chapeau à nos amis indiens, surtout la réserve de Wendake, chose que j'ignorais. Encore une fois, on voit une société axée sur la productivité. J'ai passé 15 ans à l'école, comme je vous le disais hier, j'ai absolument rien appris. Et en 5 jours en Europe, une société littéraire, j'ai appris un paquet de trucs. C'est, comme je vous disais, aujourd'hui, je suis bouleversé et je suis en crise. Mais c'est vraiment, encore une fois, très intéressant de voir que c'était le courage de nos hommes qui a vraiment, mais vraiment, vraiment permis d'abattre l'ennemi et de rentrer ici à Courseulles-sur-Mer et de libérer justement ces petits villages sur la côte du terrible ennemi et du redoutable allemand. Sur ça, encore une fois, je suis hyper émotionnisé. Et on va fermer la capsule là-dessus car les mots me manquent. Mais me manque pas. Je suis plus colérique que peiné. Mais c'est correct, c'était dans l'investissement aussi du voyage. Donc à la prochaine capsulette, ou capsule, on se revoit probablement demain. On retourne dans le mode historique probablement demain ou dans la prochaine capsule. Bye bye!